Amis baroudeurs, bonjour et bienvenue au cœur de l'hiver. Pardon, le 30 septembre, nous sommes encore en pleine automne. On va même dire que c'est le début de cette nouvelle saison qui démarre. Et comment ça se passe le camping, justement, en automne, en Normandie? Mais écoutez, il y a vraiment foule. C'est un petit peu compliqué pour nous hier soir de trouver un emplacement au sein de ce camping municipal. Bon, vous voyez, finalement, notre caravane du tour nous a rejoints. Et à côté de la tente, on n'est pas tellement dérangé. Alors, comment ça se passe quand il est 7h45, que les enfants dorment encore au niveau des baroudeurs? Et bien on va vous emmener voir ça. Il faut dire qu'on a quand même pas mal de boulot, ça vous surprend toujours quand on vous dit qu'on a entre 2h30 et 3h pour tout ranger avant de repartir. Mais ce que vous ne voyez pas forcément sur les photos, c'est tout le bins qu'on a, parce que oui, on a seulement 6 sacoches, mais ces sacoches là sont bien garnies, ainsi que le coffre de la remorque. Donc concrètement, on a des tâches bien réparties entre Cédric et moi, et aussi les enfants quand ils sont réveillés, mais pour l'instant ils dorment encore. Donc voilà, j'ai l'agent d'entretien qui est en train de replier notre maison mobile. En fonction de la tente. T'as pas le choix, sinon on est tout mouillé le soir. Donc il passe sa petite chiffonnette, on replie les matelas, on replie les sacs de couchage et on va attaquer le chargement donc, dans le coffre de la remorque. Au coffre, vous voyez, très spacieux, hein, au sein de notre minibus. Et puis après, on attaque aussi tout ce qui est rangement des différentes sacoches qui vont venir se fixer sur le guidon, sur les roues avant, arrière. Et donc on vous laisse d'ailleurs deviner combien de bagages on tracte Cédric et moi. Ça sera votre petite interro surprise du jour. Allez, on vous dit à bientôt pour la suite des aventures. Ne vous inquiétez pas, il ne fait pas si froid qu'il n'y paraît. Et puis quand on vit dehors, finalement, on prend très bien les différentes saisons. Bon, je dirais peut-être pas ça tout à l'heure quand on sera encore en train de rouler sous la pluie, mais on le prend avec le sourire toujours. Allez, continuez de nous suivre sur grainesdebaroudeur.com et les réseaux sociaux. Abonnez-vous surtout. À bientôt et belle journée. Bye bye.